Bonjour internetatrice et internetateur, ici Gaëlden pour les jeux du cygne. On se retrouve en live sur Twitch pour un quatrième épisode de découverte de Sunwalkers, de l'accès anticipé de Sunwalkers. On s'est pris une grosse claque hier sur le boss de la quête Yoz, la deux fois née. Mais genre une méga claque. Et bah on va essayer de faire un peu mieux, mais ou pas. Je voulais aujourd'hui essayer de tester un peu différemment, c'est-à-dire que on sait quels sont les objectifs. Hein. On a un arbre ici qu'il faut essayer de sauver en quelque sorte. Mais bon, le fait est que c'est quand même assez chaud. Je voulais en fait explorer un peu déjà toute la zone qu'il y a autour de mon arbre de base. Avant de partir m'enfoncer, tiens, il y a un bout de carte là, je sais pas à quoi c'est dû. De partir m'enfoncer ailleurs, d'aller explorer un peu autour. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Ça va peut-être nous permettre de nous développer un petit peu plus avant d'aller là où ça commence à être compliqué, parce que là on sait qu'on a plein de réserves de bouffe. Essayer de nettoyer les adversaires, voilà. Ça coûte ah oui là ça me coûte zéro en bouffe. Comment ça se fait, je sais pas, je ne sais pas. Festin illusoire. Ah merde, j'ai activé festin illusoire. Ah non, moi, je vais recharger. Ah ben je peux pas recharger. Ah ça c'est vraiment con. Ouais, je peux pas dormir. Je sais pas pourquoi ils sont activés. Celui-ci aussi est déjà activé. Ah, j'ai dû faire des mauvaises manipulations avec... Ah, je sais ce que j'ai dû faire. Bon, bah, c'est un peu naze. En utilisant les raccourcis pour lancer le stream et l'enregistrement, c'est comme ça que j'ai dû les activer. Bon, ça c'est vraiment con parce que Festin Illusoire c'est quand même vraiment important. Tant pis. Allez, on va avancer, on va explorer un peu, on va nettoyer, faire quelques petits combats, histoire de choper un peu d'XP. Voilà, ces combats, on les connaît là. Ces combats-là, on les connaît. Zut, je voulais inverser. Lui, il tank, et lui, il tank. Qu'est-ce qu'il a comme trait? Rien de particulier. Si, c'est là, les traits. Ah si, lui, il avait l'effet bouclier régénérant. Lui, il a régène de santé. Lui, il subit moins de dégâts. Ouais. Il régène de santé. Ok. Bon, j'ai une team qui est plutôt sympathique. On va essayer de pas trop faire de m avec. Bon, comme d'hab, lui, il va agir en premier. C'est ça. Un petit peu de poison pour bien commencer. Et il va refaire du poison ensuite. Mais on va le stun. Ce qui va régler le problème. Mais what the fuck, sérieux? Non mais c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. J'adore. Il subissait 25% de dégâts de moins. Hein. C'est n'importe quoi. Bon. C'est pas du tout énervant. Hein. Sérieux. Non, c'est pas lui que j'aurais dû faire, c'était l'autre. Du coup, je réfléchis pas. Ça m'agace. Il arrive à me péter mon bouclier.
Allez, stun. Ils ont quasiment pas de points de vie, eux. Bon, bah, je vais aller récupérer un autre gars. Hop. Là, je peux pas dormir, quoi. Et je peux pas recruter non plus. C'est formidable. C'est formidable. Tout va bien. C'est un jeu merveilleux. C'est juste n'importe quoi. Changer la position. Bah... On va mettre lui ici, lui là. Ou pas, à la limite. Je vais laisser lui en seul tank. C'est lui que je vais faire level up du coup. Avec levée de bouclier, c'est quand même très efficace. Ah là là. Bon sang de bonsoir. Allez, un petit peu de poison. Là, typiquement, je vais être content d'avoir la régénération. Alors, il me fait la même, là. Ah bah oui, il me cible tous les deux le même. Normal. Ah, là, je lui colle son... son bouclier à zéro, donc... on va faire lui... Là, potentiellement, il me tuait le deuxième aussi. Hein. Normal. Protéger un peu. Hein. Ça, c'est fait quoi? Prochaine attaque reçue et subie par le protecteur allié. Donc, c'est par lui. Hop. Ah merde, sauf que là, du coup, je vais laisser la possibilité. Agir une deuxième fois. Lui, je le tue. Hein. Allez, on va le tuer. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Hop. Allez, boum. Et meurt aussi. Mais comme quoi, un mauvais focus, hein, ça va... Ça devient très vite très dur. Allez, level up. Alors là, du coup, j'ai un heal. Ou alors sinon, ça me permet de rajouter du bouclier exalté sur... Les deux sont bien. Bon, il vaut mieux rajouter du bouclier... Je sais pas. Le plus 10 de santé, c'est pas ouf. Je vais préférer ça. En plus, celui-là, il peut le mettre sur lui-même. Alors que le soin, il peut pas le mettre sur lui-même. Alors, on va continuer d'explorer. Tac. Qu'est-ce qu'on va trouver par là-haut? Là, j'ai besoin de macérat par ici. Hop. Qu'est-ce qu'on trouve par là? Là, il y a un event. Moins 6 plus 12, ça me fait... Ouais, c'est bon. Lac de cristal, nous découvrons un plateau étrange semblable à de l'eau, mais en cristal catalyseur.
Les reflets que nous pouvions percevoir à sa surface semblaient provenir d'un autre monde, ou bien d'une autre époque. Le spectacle était perturbant et saisissant. C'était aussi le plus grand bloc de cristal qui nous était donné de voir. On gagne de l'espoir, ou on chope des trucs à revendre. On va choper de l'espoir. Ah zut, j'ai été un peu rapide sur la description ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un coffre de voyage. Go pour le coffre de voyage. Éclaireur canique. Une nuit, nous fûmes attirés par la lueur d'un feu. Une poignée de canique se reposait à l'abri d'un rocher. Alors, on peut leur offrir un repas, mais 25 de bouffe, c'est du délire. Je peux commercer. Je peux mendier des provisions, mais ça me fait baisser ma réputation. Les attaquer. On va essayer de commercer. Qu'est-ce qu'ils ont à revendre? La bouffe et des popos. Ben, go. Peut-être échanger. Hop. Ouah, ça coûte cher. Le coffre de voyage, il me faut des crochets. J'ai ça encore à vendre. Ça coûte cher. Ça pèse rien. Hop, on va en garder un. Et on est parti là-dessus. Je peux définitivement pas mettre les deux. Non, il me manque. Hop. Attends, sauf que ça a plus de valeur. 8, 10, 12, 14. Non, 14 veut pas. Ça, c'est 12. Ah, mieux. Hop là, allez. Est-ce que du coup, est-ce que le fait de commercer, ça améliore la réputation? Pas du tout. Pardon, excusez-moi. Infranchissable, d'accord. Alors là, ça ne se voit pas, mais il y a un mur caché. Bien. Veillée, une histoire racontée autour du feu, le camp des caravanes, le récit des caravanes du passé, les légendes du monde antéphytique, le chant sur la beauté mortelle du désert, tout cela sonnait creux pour nous. Nous voulions juste rentrer chez nous. T'es susceptible de choper mélancolique, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que tu as chopé mélancolique? Non. Je suis enthousiaste désormais. J'ai chopé mélancolique, quoi? Ah bah oui, j'ai chopé mélancolique. Très bien. C'est parfait. Hop. J'ai presque pas envie d'y passer là, sinon. Ah non, là, il faut que je pousse mystérieuse. Requis macéra, mais je sais pas ce que je gagne. Let's test. C'est quoi? Ah, c'est dommage, je peux pas m'en servir. Inflige 16 de dégâts, applique brûlure à un ennemi. C'est dommage, ça aurait été cool. Bon, ok. Bah, j'aurais préféré garder mon macérat. Là encore, pousse mystérieuse. En vrai, il y a une quantité de bouffe ici, c'est ouf quoi. Allez, on va aller attaquer les vilains. Tac.
en essayant de pas se faire défoncer. Alors, qu'est-ce que je peux stun? Là, tu m'attaques celui-ci. Eh ben, non, tu vas pas le faire. Mais c'est pas la même compétence qu'il utilise. Là, je vais faire un petit truc comme ça. Boum. Un petit shield break de plus. Une lame devant. Et je le tue. Hop. Toi, je te tue aussi. Cette compétence là est tellement plus efficace que l'autre. Ça fait quoi, 9? Mais il est neutre, tandis que là, pourquoi je fais... Ah oui, parce que j'ai cible facile. Bim. Allez, tac. Ah, j'aurais dû faire... J'aurais peut-être pu tempériser. Bon. On a un peu de stock en bouffe. Et ça, en fait, je pense que c'est peut-être bien le plus important. C'est de le fait de partir comme ça un peu à l'aventure, c'est quand même à mon avis plus important. Ah tiens, inverse la des dégâts de vent. Ah, je les ai pas eu ceux-là encore. Alors, je me fais hâte. Ce qui m'augmente ma vitesse, mais ça fait que 16 de dégâts. Là, j'inverse les positions. Là, je fais un petit... Celui-ci, franchement, aucun intérêt, quoi. L'onde de sable, celui-ci me plaît pas mal. C'est la première fois que je les ai, ceux-là. Bien. Je vais l'explorer un peu par là. Parce que quand même dans mes quêtes, hein, y a aussi le truc des fragments. C'est trouver tous les fragments. Ouais. Ça, j'ai pas mes chances. Celui-ci, Yod. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est marqué que niveau supérieur recommandé, mais pas là. On a vu le combat que ça donnait hier. Je sais pas si j'ai une chance d'y parvenir tout de suite ou pas. Mais. Alors, sauf que j'ai plus de macéra, là, il faut que je fasse gaffe. Ouais, j'aurais pu remonter là. Ah non, c'est là. J'aurais pas dû descendre. Hop. Rééquiper. Exil en détresse, désolé. Putain. Candide, préaugmenté de 10%. Voilà, voilà. Très bien, il est candide. Il est bien, ce petit gars, là. Non, là c'est requis. Hop. En fait, j'ai tout intérêt à passer par toutes les zones qui donnent des consommables. Acide météoritique, mais ça c'est un
monstre qui fait un effet. Hop. L'odeur puissante de la truffe du désert nous soutenait. Elle se cachait sous un labyrinthe d'épines, protégée par des animaux gourmands, par cet écrin dardé. Il y a un vocabulaire utilisé dans ce jeu qui est assez ouf. Les phrasés qu'ils utilisent sont très étonnants. La ramette impliquerait forcément quelques égratignures, mais ce mets délicat en valait la peine. Cueillir plus 20 de bouffe, mais un carvenier perd 20% de points de santé. Ça sert à rien, je suis max. Nos items que nous pouvions nous permettre, aucun risque de blessure. Continuer d'explo. Voilier nébuleux. Nous passions sous un voilier, pas un voilier, qui vaguait sur la route céleste, la voûte céleste, lorsque soudain, pris dans une rafale, il perdit le contrôle et piqua droit sur nous. On peut freiner sa chute ou fuir, mais nous, on peut freiner sa chute. La nef atterrit en catastrophe, mais les passagers s'en sortirent indemnes. Ils criaient au miracle, ils nous embrassèrent et promirent de nous raconter cet exploit, partout où ils cherchaient refuge. C'est formidable. Hop. Une cache d'armes, dommage. On peut casser la serrure. Ah, on peut pas l'ignorer. Une lueur étincelante attira notre attention. C'était un coffre enfoui. Quelqu'un l'avait-il caché là ou l'avait-il perdu? Peu importait, il n'y avait personne alentour. C'était donc à nous. Et ben ouais. Ah, plus 4 de bonté, c'est sympa, mais. C'était un piège, bah ouais. Un ressort quelque part sous le sable se détendit et frappa l'un de nous avec un épieu dardé. Il y avait bien quelque chose dans le coffre à récupérer, mais à quel prix? Salut Alastre, bienvenue sur le live. Alors, plus 4 d'intelligence, plus 2 de défense. Ça, c'est pas mal pour le gros, là. Parce que l'intelligence, c'est son attaque la plus efficace. Alors lui, il fait aussi des dégâts d'intelligence. Ah, ou un buff d'intelligence. Là, c'est un tel. Voilà, oui, ils ont tous besoin d'un tel. Plus 2 de défense. Et cette attaque-là, elle est hyper efficace. En mono-cible, c'est quand même vraiment, vraiment bien. Et comme c'est les... Ah, ouf. Alors lui... Il est bien lui aussi. Bon, ils sont tous bien. Hein. Enfin non, le moins bien des trois, c'est lui. Allez, ça va être pour toi. Ça va te donner un peu plus de boubou au départ. Tu viens me revoir souffrir sur ce jeu de la mort à l'astre. Qu'est-ce que j'ai chopé? De la boue, juste ici, une corde. Là, je peux choper des tessons polis. T'as pas vu grand-chose hier? Bah, j'ai souffert. J'ai souffert fort. C'est quand même vraiment un jeu très très violent. Veillez, mais je viens de la voir, c'est pourri, veillez. Bordel. Puis le jeu qui t'aide pas, quoi. J'ai dû partir quand je suis revenu, tu as dû faire lâchement. Allez, j'ai recommencé le soir. Hein. Hop. Là, je peux pas y aller parce que j'ai pas de pioche. J'ai déjà consommé toute ma bouffe. Merde. Mais ça disparaît tellement vite.
Je ne pleurniche pas, j'exprime mon opinion. On va virer le vent. Virer le vent, virer le vent, virer le vent d'hiver. Ouais, je te jure, c'est vraiment délirant ce jeu. Tu passes ton temps à te prendre des. À perdre de la. En fait, ce qui est délirant, c'est le manque de bouffe. En même temps, je pleurniche, certes, mais je suis quand même. Je repars quand même le lendemain dessus. Alors heureusement, j'ai mon petit heal. Celui-là, il est bien cool. Fait 36 de dégâts, donc je peux stun. Ah merde, ils ont une grosse résistance là. 20 de dégâts avec celui-ci. L'outil va pouvoir agir. Alors sur qui est-ce qu'il attaque? Là, il me bouffe une partie. Ah putain, c'est sur lui. Bah, je vais devoir le faire sur lui, il faut que je booste mon bouclier. Heureusement qu'on peut visualiser qui fait les dégâts quand même. Alors là j'attaque, ils attaquent tous les deux sur lui. Donc je vais booster mon. Mon bouclier, je vais te coller ceci, protéger. Alors, 22 dégâts, inverse la position. Ou alors, 12 de dégâts sur les deux, ils n'ont pas de résistance particulière. Je vais faire ça, je vais les amollir un peu. Ça me permet. Ici, résistance 75. Hop, lui je le stun comme ça. Là je vais faire du rampe dedans, comme ça j'en tue un. Et j'affaiblis l'autre. Ensuite. Là, lui, je le stun. Il attaque qui? Lui, ils attaquent tous les deux le même. Donc lui, je le stun. Bizarre ce glitch un peu. Alors là, normalement, il a protégé. Donc la prochaine attaque reçue est suivie par le protecteur allié, c'est-à-dire lui. Hein. Donc tu fais combien? Tu fais 33 de dégâts. Ouais, c'est bien la résistance. C'est marrant parce que c'est la résistance de l'éléphant qui marquait. Donc je peux attaquer comme un boubou, comme un bourrin, comme un bourrin. De toute façon, je te stun. Donc en fait, je n'ai même pas à m'emmerder avec ça. Hop. Les 9, là, je vais le terminer avec lui. Et là, je le finis aussi. Bon, ça, c'est des petits combats qui sont bien. En plus, il me donne de la bouffe. Ça, c'est bien. C'était une bonne chose. Il me donne de la bouffe. De l'XP. Je prends pas un seul dégât. Moi, ouais, ça me va. Et même, je régène parce que j'ai le système qui. Le truc qui donne des points de vie au début de chaque combat. J'ai pas suffisamment d'XP pour passer niveau 3. Ah, inventaire en surcharge. Eh bah, bouffe. De toute façon. C'est pas pour le temps que ça va durer.
Ruines anciennes. Alors, ruines anciennes, il me semble qu'il faut une pioche. Et je n'en ai pas, c'est bien dommage. Je la gaspille pas du tout. Je la consomme. Je vais limiter, hop, mes dépenses de déplacement. Hop, on va fight un peu. Pourquoi tu dis que je gaspille? Je suis pas comme ça, moi. Ah, là, ils sont 4, ils sont niveau 2. C'est déjà un petit peu plus vénère. Alors, lui, il va défoncer mon. Ouais, lui, il va me faire mal. Putain, mais ils arrêtent de s'attaquer à lui, sérieux? Je sais bien qu'il a pas de tank devant lui, mais. C'est peut-être ça, en fait. Il est quand même plus fragile, il vaudrait peut-être mieux en fait que je mette l'aéromancien ici. D'accord. Ça va, je t'excuse. Hop. Bon. Là, est-ce que je fais. Ils ont un peu de résistance. Lui est neutre. Lui, ce serait bien. Lui, je vais le stun en faisant ça. Donc, go. Malgré sa résistance. Ah, et en plus, je le fais passer devant. Très, très bien. Ce qui fait que je peux l'empoisonner. Toi, tu t'attaques à qui? À mon tank. Et lui. Ça peut permettre d'affaiblir. Ah et puis là je vais le stun en plus. Boum, putain, je lui ai fait mal, la vache. Aïe. Aïe aïe. Bon, arrêtez de me taper dessus là, sérieux. L'âme de vent, je le tue lui. Ah non, il lui reste un PV quoi. Ils font mal ces salopios, sérieux. Je tape sur lui. Et tape sur lui aussi. Ce serait bien si j'avais à les stun un peu quand même. Lui il récupère. On va l'exalter un peu aussi, hein. Là, il a faiblesse. Et derrière, je vais faire l'attaque de zone. Qui va. Hop, la lame devant, au moins je le tue. Et je le stun très bien. Ici, on va terminer celui-ci. Oh la vache. T'attaques qui? Ça va, je fais que moins 10. Je le ralentis. Ça me va. Hop, on va le stun lui aussi. L'âne devant. Bim. T'attaques sur qui? Sur lui encore. Et tu m'en. Là, je ne le tue pas. Lui agira avant. Donc lui, je vais pouvoir tuer celui-ci. Hop, allez. Normalement, je les tue tous les deux. Tous les trois. Là, je fais ça. Et ah, je tue pas tout à fait, mais là je tue. C'était plus compliqué déjà.
Ah, des crochets. Je vais pouvoir ouvrir mon coffre et voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre? Tac, ouvrir. Ah, très bien. Des pioches, du macérat. Je récupère des crochets dedans. Alors, dommage, il n'y a pas de trinkets. J'aurais bien aimé qu'il y ait des trinkets. Par contre, je suis complètement surchargé. Alors, qu'est-ce que je vais jeter? Ça rapporte 6, mais ça ne pèse que 2. Tududum, 3, ça c'est pas terrible en termes de gain par rapport au poids que ça pèse. Ça par contre c'est bien. Donc on va se débarrasser. Des éclats de chitine. Hop. Et des tessons polis. Et j'ai encore trop de choses. Mais ça c'est lourd en fait. Hop, voilà. On va jeter ça. Alors, on va level up. Bon, on va level up le tank, hein. Alors, la charge, je suis pas fan. Requin inquisiteur, c'est quand même bien efficace. Qu'est-ce que ça modifie? Ça rajoute affaibli. Bon, j'ai d'autres sources d'affaiblissement. Levée de bouclier, par contre, c'est très bien. Avec épine, ça me plaît beaucoup. Yum. Hop, alors maintenant que j'ai des pioches, je vais remonter par là. Alors, ah zut. J'ai pas d'archéologue. Alors, j'avais déjà fait sur un truc comme ça, j'avais déjà fait lire les écritures et ça m'avait rien donné. Tous les peuples à toutes les époques avaient tenté d'établir des liens avec l'invisible. Ce qui se dressait devant nous était l'une de ces tentatives. Et ben on va contempler l'autel. Nous arrêtâmes un moment et nous demandâmes ce que ce lieu de culte signifiait pour les gens qui l'avaient bâti. Ok, comment perdre de la vie pour rien? En mille et une façons, si vous voulez des techniques, je vous les donne. Un peu de bouffe ici. Un peu de bouffe là. Hop. Et je reviens du coup à proximité. À proximité de l'autre. Alors si je pourrais aller récupérer mon quatrième Golio. Tac. Hop, je pourrais aller redormir. Je sais pas pourquoi parfois la carte se dévoile pas. Nuit glacée, j'ai pas de pyromancien. Augmenter les rations, mais je les ai pas les 20. Perdre un peu d'espoir, les cavaliers perdent 20% de santé. Continuer d'avancer, 67% les cavaliers perdent 10% de santé. Et j'en ai un de plus qui chope mélancolique. Bon, j'en suis. Un peu plus, un peu moins. Et on arrive chez les MK. Alors, je vais pouvoir recruter. Ah oui, alors, donc ça, c'est les. Je m'en fous. Ça augmente la réputation auprès de toutes les tribus de 1. Franchement. Vu que j'ai un gars recruté, franchement, ça m'intéresse pas quoi. Ah, il faut. Si j'avais 5, j'aurais accès à un nouveau bâtiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais recruter? Un autre onéromancien qui se ferait défoncer tout de suite? Dégâts supplémentaires, effet exalté. Dégâts supplémentaires à l'arrière-garde. Je
Lui, techniquement, il est bien, hein? Quand il meurt pas tout de suite, il est bien. Allez, tac, tac, tac. Et ben voilà. Allez, on va faire dodo. Et on va commercer. Alors, tout est plus cher, mais tout se revend plus cher. Voilà, intact. Ouh, 26 de valeur. Ça, on va garder. Ça, on revend. Ça, on va garder éventuellement. Ça, on... Alors, ah, là, je pourrais avoir des fétiches. Un fiche 80, c'est peut-être équipé sur un membre de la caravane, lui octroyant de nouvelles capacités de combat. D'accord, ça rajoute une capacité de combat. Inflige 80% de dégâts du vent à une colonne d'ennemis. 90% de dégâts de feu à un ennemi. Ça a plus 2 de volonté, plus 2 d'agilité, plus 1 de défense, plus 25 de résistance au vent. J'ai plus besoin de bouffe de toute façon. Et j'ai déjà plus un rond, c'est bien. D'accord. D'accord. Eh ben, go là-dessus, hein. Ça coûte cher quand même, hein. Toute façon, on est sur de la survie pour l'instant, plus que sur de... la popo, tu me dis, ça coûte pas très cher, ça coûte que 11. C'est pas cher, la vache. Ça coûte 11, alors que ça coûte 28. Ok, oublie. Ça redonne 50% de la santé, ça redonne 5 de vivre. Mais c'est quoi cet équilibrage à deux balles? Ils ont fumé la moquette, sérieux? J'ai 45 de réserve, je pourrais me prendre ça. Alors agilité, j'ai personne qui est vraiment en agilité. Volonté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est au niveau de la volonté? Et ça, c'est combien? 44 là? 80%. J'en ai pas mal qui sont sur l'intelligence, ceci dit. Et 44, je peux faire. Hop, là, je suis à plus. Si j'enlève ça. Tant pis. Top. Ça coûte 13, je les ai pas. Allez. On va partir là-dessus. Alors, du coup, bah là je vais popoter en plus, hein. Hop. Utiliser. Utiliser et utiliser. Retour vers le futur. Alors, Trinket. Qu'est-ce qui est pas mal en intelligence? Lui. Et puis c'est bien. Enfin bon. 90 pour... Non, c'est peut-être pas ouf, hein. Mais ça permet... Ouais, si, ça peut être pas mal. Allez. Hop. Voilà, ça lui fait une autre compétence. 13 de dégâts. Bon, comparément à d'autres, c'est pas terrible. Mais ensuite, ça dépend, comme c'est pas le même type de dégâts. Contre quelqu'un qui est... Ouais, j'ai ça. Oh putain, quelle horreur. Si contre quelqu'un qui est très résistant aux dégâts d'air, bah, ce sera bien. Peut-être que je m'en servirai jamais, que c'était une connerie de le prendre, hein, mais c'est pas grave. Pas de service possible. Allez, et ben on va essayer de repartir du coup. Bon, les fragments, je vois que j'y arrive pas. Vers la mer des arbres. On va partir par là. Même s'il y a peu de chances que j'y arrive. Au moins, on aura testé. Ceci dit, après cette pause dans cette zone-là, je vais arrêter l'épisode.
YouTube. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à mettre des petits pouces. On aime toujours bien et on va continuer en live sur Twitch. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Ciao, ciao.